Bonjour à tous, bienvenue ici au Stade de la Licorne, 5e journée de championnat de France de Ligue 1 à l'affiche. L'Olympique se déplace à Amiens, deux équipes qui restent sur des accros. La défaite de Amiens 2-0, l'entrée des deux formations sur la pelouse du Stade de la Licorne. Un stade à guichet fermé ce soir. Et l'Olympique Lyonnais qui a perdu à Montpellier 1-0 et le match nul face à Bordeaux, un but partout de la composition amiénoise. Ce soir le 5-4-1. On ne change pas des petits ajustements, mais trouvant sa même équipe, Gert Norblin qui a la Brésil, le fort Guébiasi, Jallet, bien heureux, Zungu, Konaté, Kakuta, Guirassy. Voilà, j'étais un peu vite, désolé. C'est sans Arthur aujourd'hui pour cause de vacances. Allez, les 22 acteurs sur la pelouse. L'ouverture, il y avait un match un peu plus tôt qui est en cours encore. La composition lyonnaise avec Lopez, Tété, Andersen, Denner, Raphaël pour le gardien et les défenseurs Touzard et Reine Adélaïde au milieu de terrain, Memphis Dembélé, Traoré, Terrier pour les attaquants. Voilà, un 4-2-3-1, on a changé, oui, puisque Thiago Mendes qui a pris un carton rouge, bien évidemment. Voilà, des attaquants qui vont pivoter à mon avis. La polémique entre les deux formations, oui, un match qui est toujours en train de se jouer entre le Lille Olympique Sporting Club. Voilà, donc c'est bien l'Olympique Lyonnais qui va devoir retrouver le goût de la victoire, tout comme le Amiens Sporting Club Olympique, le Sporting Club d'Amiens. Oui, entre nos amis d'Angers et le LOSC, voilà, c'est toujours en cours. Ça va bientôt se terminer avec, ils se regroupent sur un côté, les Lyonnais et les Amiénois d'un côté et de l'autre. Le coup d'envoi dans quelques instants ici au Stade de la Licorne. Pour cette 5e journée, l'ouverture de la 5e journée de championnat, l'Olympique se déplace à Amiens pour regagner. Et Amiens, c'est pareil, c'est parti pour 90 minutes de football. Le ballon avec Christophe Jallet, Niaouré avec Christophe Jallet, 1-2, Kakuta, Jallet, Guirassy, Niaouré, bon retour du Catouzard. Jeffrey Adélaïde, Traoré, Adélaïde qui va... provoqué peut-être. Ah, il a trouvé Martin Terrier et l'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais. La première occasion, voilà, l'OL quand a des occasions cette année, ça fait souvent mouche. L'Olympique Lyonnais, premier but pour Martin Terrier cette saison. Lui qui soi-disant était en instance de départ pour un manque de temps de jeu. Bah, il joue ce soir et Martin Terrier ouvre le score. Gertner est sorti, mais trop passif et la défense tout de même. Voilà, Gertner aurait pu tenter de se jeter. L'ouverture du score, l'Olympique Lyonnais mène 1-0. Des ajustements tactiques qui ont permis à l'OL de mener 1-0. Oui, par exemple, Raphaël qui ne joue pas. Et Léo Dubois, Dubois qui ne joue pas, remplacé par Raphaël à cause de son match mardi en équipe de France qui lui a fait grandement plaisir à Dubois et à nous aussi de le voir sous le coup et sous les couleurs bleues. 1-0 en tous les cas pour l'OL après 7 minutes de jeu ici à Amiens. Et bien évidemment, le retour de Lucas Touzard, on parlait des ajustements. Une de magnifique, une 3 avec la frappe, la transversale après 27 minutes. Amiens a bien failli égaliser. Que Martin Terrier avec tout seul. Terrier, allez, il faut avancer. Terrier, peut-être pour frapper, non, il est plus en position. 64% à 36 de possession de balle pour l'OL. Avec, allez, une frappe du gauche peut-être de Jeffrey Nadine. Non, il a trouvé Memphis avec Dembélé. Et ça fait 2-0. L'Olympique Lyonnais fait le break dans cette première période. 2-0. C'est signé Moussa Dembélé, le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais. Voilà, on va arriver, on va revoir ce but d'ailleurs, tout en passe, c'est magnifiquement bien joué, le décalage là-bas et la frappe puissante de Dembélé. Gertner est battu, l'Olympique Lyonnais est devant, ça fait 2-0, c'est signé Moussa Dembélé. Donc oui, une première période très plaisante, c'est beau à voir, du spectacle, de l'intensité et ça nous plaît, du beau football. L'Olympique Lyonnais, on retrouve l'Olympique Lyonnais des deux premières journées. Et Amiens quand même qui a touché la transversale à la 27e minute, on n'oublie pas. Voilà, c'est la pause ici au Stade de la Licorne. 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. On se retrouve après une poche de pub. A tout de suite en direct du Stade de la Licorne. De retour ici au Stade de la Licorne. Le coup d'envoi donné par Martin Terrier. Memphis Touzard, 2-0 pour l'OL à la mi-temps. But de Martin Terrier après 6 minutes. Et deuxième but signé Moussa Dembélé à la 27e minute. Avec Lucas Touzard, Terrier, oui, avec lui, attention, là, c'est passé avec Zungu qui va trouver Kakuta, il n'y a pas de hors-jeu, il me
me semble que si. Kakuta avec Christophe Jallet, l'ancien Lyonnais. Le centre de Christophe Jallet. Et le poteau. Le poteau qui vient sauver Anthony Lopez. C'est avec Dembélé, Dembélé Griffiths. Dembélé, 2. Maintenant Raphaël en retrait. Dembélé, 3. Raphaël, il faut peut-être centrer dans la surface. Ballon en retrait pour Pouzard. Pouzard avec la frappe de Maxence Cacré. Et pour son premier match, il sera buteur. Maxence Cacré. Pour le 3-0, l'Olympique Lyonnais a tué le match. Amiens et KO, 3-0. On va revoir ce joli mouvement. Le bon ballon en retrait. Et la frappe après le décalage vers Cacré qui du gauche. Misty allume Régis Gartner, une frappe puissante. L'extérieur du pied gauche. L'Olympique Lyonnais mène 3-0. Et c'est logique malgré les deux poteaux à Milan. On vous rappelle, 1 à la 27e, l'autre à l'heure de jeu, à la 60e minute. Et donc un match qui a été intéressant, surtout côté lyonnais, la frappe. C'est largement à côté. Intéressant avec du beau jeu côté lyonnais, ça bien joue en passe. Bon, quelques déchets techniques à revoir, mais c'est déjà pas mal pour les lyonnais, qu'il faut continuer comme ça sur cette lancée et cette victoire qui se dessine. 3-0. En tous les cas, bien joué à eux, félicitations. Il reste plus que 1 minute 20 à jouer. Amiens qui aura touché quand même de montant, malchanceux, ça aura pu avoir un autre tournant dans ce match. C'est les tournants peut-être de ce match. La faute, ce sera le dernier coup franc. On est en dehors du temps supplémentaire, on a dépassé le temps supplémentaire. Et Amiens qui est dans le camp lyonnais, le dernier coup franc, ça va partir dans quelques instants avec Gaël Kakuta pour s'en charger. Le ballon s'étire en force et c'est Lopez. Fin du match dans quelques instants. Voilà, c'est fini. Victoire de l'Olympique ici sur la pelouse du Stade de la Licorne. On se retrouve bien évidemment pour la prochaine journée. Allez, en direct du Groupama Stadium. Salut, à la prochaine, Kéchel Palier les amis, et sûrement avec Arthur à la prochaine. Salut.